Ok, jour numéro 2. On se redirige vers le métro. C'est décidé. Il faut absolument que je visite les dernières stations. Il y en a encore quelques-unes qui étaient vraiment incroyables. Je regardais encore sur internet pour voir si j'en avais pas loupé. Et effectivement, il y en a quelques-unes qui valent le détour, comme on dit. Et aujourd'hui, on va se consacrer sur la ligne grise et sur la ligne verte et sur la ligne orange et sur la ligne BKL. Et je crois qu'on aura fait le tour. C'est parti. Ok, ça commence bien, la route est bloquée. Je sais pas par où je vais passer. Parce que oui, ici, il y a toujours des travaux. Je suis arrivé avec les travaux, je partirai avec les travaux. Et la Russie est un pays en perpétuel travaux. Ici encore, c'est une station qui représente toutes les anciennes villes de Russie. Donc là, à l'instant, je vais filmer Novgorod, qui est l'une des plus anciennes villes de Russie. Encore une fois, Souzdal et son Kremlin. On retrouve bien entendu Vladimir. En fait, dès qu'il y a Souzdal, il y a forcément Vladimir. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et il y a une histoire aussi par rapport à cette fresque vers laquelle je me trouve. En fait, cette fresque, donc, elle représente plusieurs églises de Russie. Et apparemment, elles avaient été faites sans croix au-dessus, tout au-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que des personnes, des Russes, ont rajouté des croix avec des crayons. Et ça ne dérange personne. Donc là, toutes les croix qu'on retrouve sur le haut des coupoles, ce ne sont pas des croix qui étaient là à l'origine. Thank you.
on est à la station Dostoïevskaya. Pour les amateurs de littérature russe, vous comprendrez qu'il s'agit d'une station dédiée à Fyodor Dostoïevski, qui a écrit certains romans très populaires, notamment L'Idiot. Ici, en fait, il y a quatre fresques comme ça, qui représentent quatre de ses livres les plus populaires, notamment certains doivent connaître Crime et Châtiment, par exemple. D'ailleurs, si la station se trouve ici, c'est pas par hasard, c'est parce que justement sa maison à Dostoïevski se situait non loin de la station. Cette station s'appelle Marina Rocha et en fait elle a été créée et dédiée à une famille très riche, une famille aristocrate du nom de Cheremetiev. Et en fait toutes les mosaïques qu'on retrouve représentent leurs biens en fait. Ils avaient des forêts, ils avaient des palais. Là par exemple on peut très bien voir ici toutes leurs possessions. Ils étaient vraiment très riches. Hein. Résidences, églises, forêts, rivières, tout ça leur appartenait. C'est une famille très noble et très influente en fait en Russie. Allez, super belle cette station. Waouh! Elle est incroyable. Franchement, encore une fois, si je me serais pas arrêté, je serais passé à côté. Sur internet, personne ne parlait de cette station-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir de ses propres yeux et pas s'arrêter seulement sur ce que disent les gens, parce que sinon, bah, on en loupe des inédites. Celle-là, elle est vraiment, sur le coup, elle est singulière. Et j'aime beaucoup aussi la façon dont est fait l'anneau. J'ai l'impression que la ligne verte, elle est vraiment faite comme ça. La station s'appelle Fanvinzinskaya. Fanvinzin, c'était un auteur célèbre russe du XVIIIe siècle qui a écrit beaucoup de comédies théâtrales et il critiquait notamment l'aristocratie. D'où le fait qu'on voit à chaque fois en fait toutes ces différentes représentations. Ce sont des représentations théâtrales en fait de différentes pièces. Là par exemple c'est Starodoum. Ici c'est Mitrofans Skotinin Yemelievna. Et en fait ça représentait des scènes des différentes pièces de théâtre qu'il a pu faire. Et il était apparemment plutôt célèbre et il était originaire de Moscou. Voilà peut-être l'une de mes stations préférées, la station CSKA, CSKA Moscou, un autre club rival du Spartak, et d'ailleurs je pense un des meilleurs clubs de Russie. Peut-être ben, je me fais des ennemis en disant ça, je ne sais pas. Ça c'est moi quand je joue au foot, le même talent. Et ouais, en tout cas, admirez avec moi toutes les couleurs au plafond, toutes les sculptures aussi. On a le ski et on a le hockey sur glace au fond. Ouais, c'est vraiment une station qui est très très belle et en plus cette station elle mène directement à un énorme centre commercial qui est juste derrière, Avia Park, parce qu'en fait à l'intérieur il y a une sorte de grand aquarium, une sorte de grand tube. Très aéré, toujours avec ses colonnes de marbre, bien entendu. En fait, ces colonnes de marbre nous font penser un peu aux premières stations qu'on a vues tout au départ.
les plus vieilles d'ailleurs, mais le fait que la déco noire et blanche soit aussi liée à ça, ça lui donne un côté moderne. Et elle est très propre, vous ne sentez pas, mais il y a la climatisation. Regardez, c'est les derniers, c'est toujours les derniers métros qui sont ici, donc forcément, ça fait beaucoup moins de bruit. Bref, un plaisir cette nouvelle ligne. Alors là, on est face à une station qui est vraiment très jolie. J'aime bien le mix entre le blanc et le rouge comme ça. Et là, ils n'ont pas fait les choses à moitié pour les lettres. Attends, c'est énorme. J'ai même pas besoin de zoomer là. La station s'appelle Mnyovniki. Mais c'est pas mal, hein. C'est très moderne. Là, on est à la station Davydkova. Et pareil, c'est une station très méconnue, et alors que pourtant, cette station dispose d'une fresque vraiment remarquable. Elle est vraiment unique en son genre, cette station. Bon, l'une des stations les plus réussies de la ligne BKL. Il y a une connotation forcément asiatique. En tout cas, c'est très 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 beau, très réussi. On est toujours sur la ligne BKL là. Regardez-moi ces couleurs, encore une fois. On va de surprise en surprise. Là, on est à la station Novatorskaya. Novateur, j'imagine. La station novatrice. En plus, comme vous pouvez souvent le remarquer, hormis le bruit du métro, il n'y a aucun bruit. En fait, personne ne parle. C'est silencieux. En général, si c'est pas sur les murs, c'est qu'il faut lever les yeux. On a un sacré effet de profondeur. Ils ont joué avec ces sortes de sculptures métalliques. Là, on a fini la ligne BKL. Donc là, on va se diriger vers la ligne orange.
là, on est dans la station de métro qui s'appelle Kitai Golot, qui signifie le quartier chinois, Chinatown en fait. Alors qu'en fait, de base, c'était pas du tout le nom exact. En fait, ici, il s'agissait d'un Kremlin. Il y avait une sorte de Kremlin, une sorte de muraille en fait, qui était en bois. Et en fait, le mot russe pour dire bois, en tout cas l'ancien mot, c'était Kita. Du coup, c'était devenu Kitai Golot, donc la ville du bois. Et un peu plus tard, c'est devenu Kitai Golot. Et ils l'ont utilisé à des fins aussi commerciales, puisque en fait, maintenant, il y a beaucoup de restaurants chinois ici. C'est devenu un peu le Chinatown de Moscou. Nous voici à la station Rizhskaya. Il s'agit en fait de la station de Riga. Et les couleurs brunes et dorées qu'on peut retrouver ici, jaunes et brunes, représentent les différentes sortes de marbre qu'on peut retrouver dans la mer Baltique, en tout cas proche de la Lettonie, ancien pays de l'URSS. Sur les différentes façades, on retrouve par exemple le grand marché de Riga, l'opéra de Riga. Donc en fait, voilà, on retrouve tous les symboles de la capitale lettonne. Et d'ailleurs, ce sont des Lettons et des Russes qui ont construit cette station. Et bien, nous voici à la station Alexeyevskaya. À la base, je ne devais pas m'arrêter ici, mais juste parce qu'elle porte mon nom, ça fait toujours plaisir. La station Alexei. Et pourquoi cette station s'appelle Alexeyevskaya? En fait, c'est juste parce que le quartier qui se situe autour de la station s'appelle comme ça en fait, c'est un site historique. Et ils ont décidé de l'appeler comme ça. Ça avait un autre nom avant, mais à partir des années 90, quand je suis né, forcément, ils ont changé le nom en Alexeyevskaya. Donc merci à toi, petite station, qui porte mon nom. Là, on est à la station Vedenra. C'est l'une des premières stations à avoir été construite à Moscou. Pendant un temps, c'était d'ailleurs la plus longue station du monde. Puis après, elle a été détrônée par la station Vorobyovy Gory. C'est aussi à cette station en fait, que l'on peut monter et aller se promener au parc Vedenra, qui est l'un des plus beaux parcs de Moscou. Notamment en hiver, lorsque j'avais fait du patin à glace, c'était à cette station qu'on s'arrêtait. Donc, une très belle station aussi. Bienvenue à la station Sviblova, qui représente toutes les armoiries de plusieurs villes russes. Et à côté de chaque armoirie, il y a aussi le nom de la ville. Donc, alors, je vais essayer d'en trouver une que je connais. Voilà une que je connais. Là, c'est Yaroslav. Très connu d'ailleurs, son blason, un ours debout avec une sorte de hache. Voilà, Yaroslav. Ah, ben tiens, que voilà. Après avoir trouvé Souzdal, nous trouvons Vladimir. Son blason, ça a l'air d'être un lion. Ah bah tiens, là il y a Moskva, donc Moscou. Ça c'est vraiment le classique, si on le voit partout, hein, c'est Michel terrassant le dragon. J'étais intrigué de m'arrêter à cette station parce qu'elle s'appelle, bon, c'est le terminus de la ligne orange au niveau du nord. Et donc cette station s'appelle Medvedkova. Donc Medved, ça veut dire ours. Parce qu'en fait, cette station elle représente un peu le grand nord russe, la rigueur du grand nord. Là, on voit un chasseur tirant sur des oies. Là, on a un homme qui traîne des cerfs, je pense. Thank you.
amateurs de foot reconnaîtront peut-être ce lieu. Il s'agit donc de la station Spartak. Il y a un des plus grands clubs de Moscou et de Russie, bien entendu. En fait, le stade se trouve non loin de cette station-là, d'où son nom. Et pour la petite anecdote, cette station a été construite dans les années 70, mais pour des problèmes de financement et de gestion, en fait, elle n'a pu ouvrir qu'en 2014. Donc finalement, elle est censée être ancienne, mais au final, elle est très récente. Et bien entendu, on retrouve les couleurs blanches et rouges, hein, qui sont les couleurs du club. Quand je vous disais que la ligne grise, c'était vraiment une ligne d'innovation, découverte scientifique. Là, cette ligne-là, en fait, elle s'est concentrée sur les innovations technologiques au niveau des transports en commun. Donc là, en fait, on voit ici, par exemple, un chemin de fer. On voit un train avec un bateau à côté. Et sur les différentes mosaïques, on voit au début des calèches. Puis après, on voit des trains à vapeur, des machines à vapeur. Puis des trains classiques et enfin les derniers trains en termes de pointe technologique. Bienvenue ici à la station Mendeleïevskaya en hommage au fameux scientifique russe Mendeleïev. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. C'est le créateur du tableau périodique, le fameux tableau périodique qui sert maintenant pour la chimie. Vous allez comprendre du coup pourquoi ces lumières sont constituées de cette façon-là. Parce que là, on dirait littéralement des électrons, des molécules. Ils ont vraiment tout fait pour que ça puisse rappeler vraiment le père de la science russe, Dmitri Mendeleïev. Ici, on est à Nagatinskaya. Cette station, en fait, elle retrace l'histoire de la Russie depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et on retrouve bien entendu Michel terrassant le dragon, puisque c'est l'écusson de Moscou. Bon là, le dragon, il ressemble plus à un serpent. D'ailleurs, c'est assez bizarre, on dirait un lézard. Galb Moskovy, écusson de Moscou. Donc là, on est dans la station Narimovsky Prospect. Une station plutôt sobre, à premier abord. Pourtant, cette station est consacrée vraiment à l'amiral russe Pavel Narimov, qui a vraiment contribué à une victoire décisive contre la flotte ottomane au milieu du 19e siècle. C'était la dernière grande bataille avec des bateaux à voile. Ça y est, je viens de terminer la ligne grise et là je suis de retour sur la ligne DKL qui est juste à côté pour revenir à Prospekt Vernadskova. Et ensuite arriver à Yugo-Zapadnaya. Parce que ça, c'est bon. J'ai fait toutes les lignes. Regardez-moi ça. Pour finir, un métro pour moi tout seul. Ça y est, enfin, j'ai terminé. J'ai terminé de visiter le métro de Moscou. J'espère que j'aurai une médaille avant de partir. Peut-être suis-je la première personne à le faire, peut-être pas. Donc j'espère que
La vidéo atteindra les 1 million de vues en quelques jours. Bref. En tout cas, je suis content de l'avoir fait, mais il m'aura quand même fallu 2 jours. Quasiment 2 jours entiers pour le faire. Je suis resté 15 heures dans le métro, le temps de visiter toutes les stations. Sur la vidéo seront seulement celles qui auront attiré mon attention par leur originalité, leur beauté ou par leur singularité. Bref. Sur ce, c'est peut-être la dernière vidéo que je fais en étant à Moscou, puisque dans quelques jours je pars direction Istanbul. Normalement la prochaine vidéo sera le voyage à Istanbul. Ça sera plus Alexis en Russie, mais ça sera Alexis en Turquie. Ciao.